juin était chaude et sans nuages. On prit un taxi, les fenêtres ouvertes, on quitta le Hambourg populaire pour se diriger vers les quartiers riches. Cette voix qui lit appartient à un anonyme, un citoyen presque ordinaire, presque. En fait, c'est un donneur de voix, un bénévole qui, par ses lectures enregistrées, offre aux déficients visuels, aux personnes en difficulté d'apprentissage, un accès au monde des livres. Bienvenue dans la bibliothèque sonore. À la 10e tournée, nous on a 1300 volumes, enfin volumes, enregistrements disons. Et on fait également des enregistrements sur clé USB à destination des scolaires qui ont des problèmes de dyslexie, qui nous sont envoyés par les orthophonistes. Les gens qui viennent nous voir sont relativement peu nombreux parce que, évidemment, quand on est déficient visuel, on ne se déplace pas très facilement. C'est ici que se réunissent les bénévoles qui contrôlent les enregistrements et les envois pour les audiolecteurs. L'association Les Donneurs de Voix existe en France depuis 40 ans et en Corse depuis 30 ans. Sa collection enrichit un fonds national de 300 000 ouvrages audio. L'association Bastiaise appartient à un réseau de 120 bibliothèques sonores. Les malvoyants en bénéficient gratuitement. Ils sont 1 500 000 en France et seraient plusieurs centaines dans toute l'île. La bibliothèque de Bastia compte, elle, 40 abonnés répartis en Corse. Roger Piovesane est l'un d'entre eux. La lecture audio accompagne sa vie depuis maintenant près de 30 ans. Depuis qu'un accident de travail l'a plongé dans un monde peuplé d'ombre. Lorsque nous l'avons rencontré, il venait de recevoir par la poste un thriller. Il voulait une chose très simple, une femme, une famille et la certitude rassurante qu'il avait devant lui un avenir meilleur. Je lisais beaucoup. Je pouvais rentrer n'importe quelle heure, le soir, même 1 heure du matin, je lisais. Je lisais de tout d'ailleurs, hein. De science, de livres, j'aimais bien beaucoup lire, ouais. Et ça m'aurait manqué, d'autant plus que là, j'ai un choix énorme, hein, de bouquins. Je reçois de la bibliothèque de Bastia des livres, des romans, de la bibliothèque centrale de Lille, des revues, des magazines, ça m'aide beaucoup. Voici à présent une librairie. Les malvoyants n'en franchissent presque jamais les portes, pourtant, au milieu des livres, romans, poésies ou autres bandes dessinées, il existe bien un fond sonore d'audiolivres. Les déficients visuels peuvent en profiter, mais l'offre et la demande restent encore confidentielles. C'est quelque chose qui se développe. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'adresse aux malvoyants, mais pas seulement, puisque beaucoup de gens aiment aussi, ont plaisir à écouter ou à suivre un roman dans leur voiture ou... Peut-être parce que aussi certains acteurs se sont appropriés ces ouvrages et ils ont plaisir à les retrouver. Prix d'un livre audio, 30 à 40 euros, cela est encore cher. Pour s'approvisionner en livres sonores, restent alors les bibliothèques classiques. François Marquis nous accompagne dans l'une des médiathèques de Bastia. Dépendante de leur catalogue de fournisseurs et soumise à des droits d'auteur à l'inverse de l'association Les Donneurs de Voix, elles ne peuvent pas la concurrencer, ce n'est de toute façon pas leur objet. En fait, on a commencé à développer cette collection en ne sachant pas si on allait avoir un public ou pas. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Donc, on voudrait mettre en place des zones d'écoute. Alors, est-ce que ce sera des bornes physiques ou est-ce que ce sera par du dématérialisé avec du numérique? On y tend. Les budgets suivront peut-être. François Marquis nous amène jusqu'à un espace dédié à la littérature en langue corse. Il en profite pour lancer un appel aux corsophones. Oui, par exemple, j'aimerais bien ce genre de livre, Giacomo Thiers, que quelqu'un me l'enregistre en Corse. Il y a une demande parce que d'abord, on a des personnes âgées qui sont habituées à parler en Corse et qui nous posent la question de savoir si on ne peut pas leur trouver des ouvrages en langue corse. C'est bien naturel. Avoir accès à toute l'actualité littéraire, en langue corse, en langue française. Être un lecteur comme un autre. C'est ce que Roger Piovesane et les abonnés des Donneurs de Voix aspirent à être, tout simplement. Je ne passe pas une journée sans écouter des disques. Intellectuellement, ça fait travailler, pourtant. On ne fait plus rien, quoi. Hein. On est là. Moi, ce n'est pas mon tempérament. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, comme je ne peux pas faire autre chose, je lis, j'écoute. Et on ne lui avait jamais parlé d'embauche définitive.